Alors aujourd'hui, je voulais faire un petit tutoriel sur comment réussir les toasts to bar, comment faire des toasts to bar. Donc, dans un premier temps, je vais te parler de ce qu'est un bon toast to bar, qu'est-ce que tu actives musculairement, comment bien se placer. Il y a des petites subtilités, hein, c'est pas juste chercher à mettre les orteils au-dessus sur la barre et basta. Là, on va voir comment l'avoir propre, comment l'avoir clean, sans qu'il pèse. Le plus musculairement possible. Et en même temps, je vais te donner une petite progression par laquelle je suis plus ou moins passée. Il y a des étapes sur lesquelles j'ai sauté directement, je les ai pas mises, mais je pense qu'elles peuvent peut-être aider certaines personnes. Donc, première chose, toast to bar, qu'est-ce que c'est? Toast to bar, c'est tout simplement des relevés de jambes jusqu'à que t'aies des relevés de jambes amplitude maximale. C'est jusqu'à en fait que tes chevilles touchent la barre. Tu peux pas aller plus haut. Donc c'est des relevés de jambes complets. C'est un exercice beaucoup utilisé en gymnastique, notamment pour travailler les abdos. Et c'est vraiment un exercice intéressant. Ça augmente vraiment la difficulté des relevés de jambes classiques. Il y en a beaucoup qui galèrent avec cet exercice. Il y en a aussi qui considèrent que ça demande de la souplesse. Ça en demande un petit peu dans la région des genoux, derrière les genoux, vers les ischios. Là, ça te demande un petit peu d'amplitude, de souplesse, de mobilité, mais rien de bien méchant. Donc là, je te le précise juste, on va pas avoir les toast to bar de CrossFit. Les toast to bar à la CrossFit, ils autorisent le keeping. Donc c'est bien pour ça qu'on appelle d'ailleurs toast to bar en CrossFit, c'est que les orteils peuvent toucher. Si on fait des relevés de jambes, des toast to bar propres, ça va pas être les orteils qui vont toucher, ça va être les chevilles. Pourquoi? Parce que nos jambes sont complètement droites sur toute l'amplitude du mouvement. Là où en crossfit, ils ont les jambes légèrement pliées. Donc ça, c'est la première subtilité. Comment faire pour y arriver? Première étape. Première chose, c'est le prérequis, réussir à faire des relevés de jambes. Réussir à faire des bons relevés de jambes, essayer d'être le plus propre possible. Je te renvoie à la vidéo que j'avais faite sur comment augmenter la difficulté des relevés de jambes. Et il faut vraiment que tes relevés de jambes soient solides. En moyenne, moi je te dirais, histoire d'être large, d'être à l'aise sur 10-15 reps, sur des relevés de jambes. Tu dois pas en chier sur 10-15 reps. Certes, peut-être avant d'avoir les 10 reps, tu peux peut-être avoir quelques répétitions en toast to bar, mais tu seras pas à l'aise dans le mouvement. Tu vas le faire de manière brouillon, tu vas utiliser beaucoup d'élan. Pour être vraiment à l'aise dans les premiers toast to bar, je te dirais vraiment d'être bien à l'aise avec des relevés de jambes classiques. 10-15 reps minimum. Si tu es au-delà, c'est nickel. Mais déjà, ça c'est bon. Ensuite, étape suivante, c'est tout simplement, une fois que tu travailles tes relevés de jambes, c'est d'augmenter graduellement l'amplitude. Ça peut même servir de progression à part entière. En fait, tu cherches juste à augmenter au fur et à mesure de tes séances l'amplitude, jusqu'à un moment donné, réussir à avoir tes chevilles qui touchent la barre. Ça peut être une étape de progression. Mais déjà, ce que tu peux faire, c'est tout simplement avoir, là, disons que tu as tes relevés de jambes, tu as les jambes comme ça, tu les lèves ici, c'est de les lever plus haut. Donc là, graduellement, tu peux augmenter l'amplitude. Hein. Au début, tu peux juste lever légèrement au-dessus de la parallèle, puis petit à petit augmenter encore plus haut et puis de plus en plus haut. Ça, c'est une première étape. Pense toujours, par contre, à être pas jouer sur l'élan, mais jouer vraiment sur le contrôle musculaire. À bien engager la rétroversion du bassin et pas faire un mouvement d'élan, quoi, vraiment. Ça, évite-le à tout prix. Cherche vraiment le musculaire, quitte à diminuer le tempo, avoir un tempo plus lent, pourquoi pas. Alors, autre chose aussi, lorsque tu travailles tes toasts to bar, lorsque tu réussis à faire des toasts to bar, comment bien les faire, je te conseille de bien contrôler ta négative, de ne pas laisser tomber tes jambes. C'est le premier réflexe qu'on peut avoir. Déjà qu'on peut l'avoir sur la relevé de jambes, les toasts to bar c'est encore pire. On a limite envie de lâcher les jambes, tellement on a eu un effort assez important à les amener au-dessus de notre tête presque. Donc fais attention à bien contrôler ta négative. Là aussi, je te renvoie à diminuer peut-être le tempo éventuellement. Autre chose aussi, comme pour les relevés de jambes, comme pour les tractions, pour tout mouvement où on est suspendu, on cherche vraiment à engager le scapula. C'est-à-dire, je le reprécise, on laisse pas en fait ses bras
tiré par. On laisse pas son corps être tiré par la gravité et comment dire, les épaules cacher les oreilles. Au contraire, on cherche à sortir la tête des épaules et avoir les omoplates qui soient abaissées. Hein. On cherche une dépression, ce qu'on appelle, c'est ça, une dépression. On a les omoplates qui sont abaissées et voire éventuellement une rétraction, mais pas besoin d'aller aussi loin dans la tension dans le dos. Mais garde bien l'esprit que le dos est gainé, il doit être tendu, il doit pas être relâché. Ça, c'est pas bon. Tu risques de te blesser au niveau des épaules, faire gaffe à ça. Donc, ça, c'est la première chose. Et ensuite, deuxième chose, c'est comprendre le mouvement. Le toast to bar, en fait. Ça va pas être de chercher à ramener tout le poids de corps vers l'arrière, c'est-à-dire les jambes et en même temps les bras. Ça va être au contraire, quand tu es suspendu, tu cherches comme si tu gardes bien sûr les bras tendus, hein, mais tu vas chercher en fait à comme si tu voulais ramener la barre vers tes abdos, comme un portefeuille en fait. Là, on va dire que tu vas peut-être le reproduire physiquement, tu vas pas pouvoir ramener la barre, clairement, mais musculairement, tu vas chercher à reproduire ça. Comme si tu voulais appuyer sur la barre, comme pour un front lever, et en même temps, tu ramènes les jambes. Donc ça va être deux mouvements opposés, comme ça. Et en faisant ça, tu vas vraiment créer un mouvement un peu de portefeuille. C'est ce que tu recherches. Et sûrement pas de ramener tout en arrière, en tirant. Là, sûrement pas. On cherche à pousser plus la barre et en même temps à relever les jambes. C'est une subtilité importante. Ça va vraiment engager ton dos et aussi tu vas mieux sentir tes abdos. Ça va être un mouvement aussi plus propre en faisant ça. Donc ça, c'est une subtilité à garder en tête. Pousser la barre comme si tu voulais la ramener vers le sol et en aucun cas tirer en arrière, ramener tout ton poids de corps à l'arrière. Ensuite, pareil, garder les bras tendus. Alors ça, on garde un léger flex pour la sécurité au niveau des coudes, comme pour les tractions. Le seule chose qui peut arriver, qui peut se passer, c'est qu'au début, quand tu commences les toast to bar, tu es en vie, même tu le fais, tu plies légèrement les bras. Moi, ça me le faisait. J'ai encore, d'ailleurs, je trouve ce petit défaut, j'ai encore légèrement le bras qui se plie. J'essaie de corriger ça là-dessus, mais c'est pas un souci en fait en soi. C'est oui, l'idéal, clairement, si tu veux l'avoir propre, c'est pas l'avoir les bras tendu, hein. Mais c'est pas grave, ça peut faire une régression. C'est un peu plus facile. C'est comme si en fait tu t'aidais un peu d'autres muscles qui assistaient le mouvement. Mais garde à l'esprit qu'à un moment donné, il va falloir corriger ça et garder au plus possible les bras droits. Donc, selon moi, c'est pas dangereux. C'est juste que l'exercice est en guillemets facilité par l'activation de d'autres muscles. Mais comme régression, moi je vois pas le problème. Ça peut servir de régression, ça peut aider à comprendre le mouvement, à commencer à le travailler, donc pourquoi pas. Mais pense vraiment à le corriger ça plus tard, quand tu seras à l'aise avec les toes sous barre. Ensuite, pour la progression, on va passer maintenant à la progression. Donc, comme je te l'ai dit, c'est des relevés de jambes. Première progression, c'est augmenter l'amplitude des relevés de jambes, hein, faire des viscites. Une fois que tu es allé sur les viscites, moi ce que j'avais pensé comme exercice qui pourrait être sympa, c'est en fait de faire des relevés de genoux, mais des relevés de genoux comme si tu cherchais à avoir l'amplitude d'un toast to bar. Donc tu vas avoir les relevés de genoux très haut, tu vois. Donc ça peut être un premier exercice pour te comprendre jusqu'où en fait l'amplitude elle peut être. Ensuite, deuxième exercice que tu peux faire en termes de répétition, là pareil, je te donne des chiffres comme ça, mais ça dépendra. Relevé de genoux, 10, 15, 20 répétitions, ça va pas être trop dur. Relevé de genoux, amplitude plus haute, ouais, 10, 15 répétitions à répétition. Après, tu passes à l'exercice d'après, mais encore, ce sont des chiffres. Si tu peux passer après à l'exercice plus tôt, ben passe-le plus tôt. Mais voilà, ce sont des chiffres clairement que je sors comme ça. J'ai pas fait d'études plus que ça pour vérifier si ces chiffres marchaient bien. Mais c'est une idée de base. Ensuite, deuxième exercice que tu peux appliquer, c'est des toes to bar, mais jambes pliées en fait. Tu vas faire exactement comme font les crossfiteux. Ils vont faire des toes to bar, jambes semi-pliées, mais toi, tu vas le faire sans élan. Pourquoi sans élan? Parce que ça va beaucoup mieux travailler musculairement. Le fait de les faire avec élan, ça va te permettre d'enchaîner en fait. Ça va te permettre d'enchaîner, de faire beaucoup de répétitions.
Et dans une course, c'est ce que tu recherches, aller le plus vite possible. Donc ça, c'est nickel. Tu recherches à faire une course. Mais si tu veux vraiment un travail musculaire accentué, ce qu'on veut, c'est le contrôle. Donc on va reprendre cet exercice-là, sauf qu'on va le faire en ayant les jambes semi-pliées. Et en étant clean, pas d'élan. Et enfin, dernier exercice qui m'a aidé, moi aussi, pas mal, c'est de faire des négatifs toast to bar. Donc en fait, tu vas faire des relevés de genoux haut pour ramener tes jambes le plus haut possible. Tu vas tendre tes genoux et jusqu'à en fait que tes chevilles touchent la barre. Ce que tu peux faire d'ailleurs, c'est pourquoi pas tenir dans cette position en gainage, pourquoi pas, ça pourrait faire un sous-exercice ou un exercice annexe. Et tu vas ralentir la négative. La négative, quand on travaille uniquement sur elle, je te conseille des gammes de un tempo très lent. Au début, ça va être peut-être dur, mais vise 5 à 10 secondes sur le tempo lent pour vraiment travailler la négative comme si c'était une répétition classique, tu vois. Donc tu reviens, tac, tu fais des relevés de genoux, tu tends les jambes et tu rabaisses. 5-10 secondes, vraiment le plus lent possible. Ça peut être pas mal. Et clairement, si tes relevés de jambes sont bien solides, tu te sens vraiment à l'aise avec les relevés de jambes, t'auras pas de problème pour atteindre les toes to bar. Si tu manques peut-être de mobilité, tu sens même bras qui a pas de mobilité de ouf, arrive facilement à faire des toes to bar. Donc c'est pas un souci. T'as pas besoin d'être souple hein, pour réussir à des toes to bar. Peut-être que plus t'es souple, plus ça va être facile. Mais n'hésite pas, si tu le ressens le besoin, de faire quelques étirements. Tu te penches en avant, tu essaies de toucher le sol. Ça peut être pas mal pour faciliter l'exercice. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à te partager sur les toes to bar pour l'instant. Peut-être que j'aurai d'autres idées à te donner plus tard. Je commence à les pratiquer, c'est sympa, j'aime bien le faire. C'est un exercice plutôt ardu. C'est pas infaisable, mais il est ardu. Donc n'hésite pas à le mettre dans ta poche si tu veux augmenter la difficulté des relevés de jambes. Sur ce, moi je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. À plus.